Yo, salut à tous! Les amis, c'est Fafa Dango, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, je vais vous parler d'un truc que j'ai pas osé parler sur ma chaîne. Ma caméra. Que j'ai pas osé vous parler sur ma chaîne. Et pour une raison assez. Bah, c'est normal quoi, c'est normal. Ok, il y en a qui vont pas y croire, mais il y en a qui vont croire. Et ce que je vais raconter là, c'est vrai, c'est 100% vrai. Il y a pas de fake. Là, je jure, c'est pas bien de jurer, je sais, mais là, je jure que je vais vous raconter là, c'est vrai. Je le jure. Donc là, c'est moi, je vais. Il va avoir des emmerdes. Non, je jure. Je jure que cette vidéo n'est pas du tout. En fait, un jour, j'étais dans un village, je veux dire à côté de Nice, en vacances. Et puis, on se balade la nuit, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que. Ce qui est très très bizarre, c'est que. Je regarde un petit. C'est qu'une mouche, c'est. Dans le ciel et là dans le ciel, attention, vous n'êtes pas obligé d'y croire, ok, mais je vois l'arc c'est vrai, je crois pas les doigts, hein. Je vois l'arc c'est vrai et regarde dans le ciel et là je vois une soucoupe volante. Qui vole. En fait, cet engin était noir. C'était un triangle. Un triangle noir avec un rond blanc. Au milieu, ouais, un rond blanc au milieu. Et des lumières en haut, sur un côté, des lumières blanches. Et... Il a volé au-dessus d'un immeuble et de l'autre côté. Plus rien. Voilà, je vais essayer avant de vous expliquer ça parce que bon, c'est secret. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ma chaîne, enfin 129 personnes me suivent, mais... Vous racontez à personne ce que je vous ai dit, hein. Ok. Sinon c'est pas très grave, mais évitez, s'il vous plaît, évitez. S'il vous plaît, évitez, Vraiment, je... Franchement... C'est vraiment bizarre. Vous pouvez me dire ce que c'était, peut-être, et puis on en reparlera. Mais bon, les gars, c'était certainement Godub. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et commentez. Et ciao.